Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez la forme. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour le 12e épisode de notre survie modée. Je récupère ma petite pelle en diamant Efficiency 3, et ainsi font les petites marionnettes. Pardon, excusez-moi, voilà. Alors, j'espère que vous allez bien, on va récupérer du sable comme promis. Je vous rappelle, dans le dernier épisode, on a commencé, même on a terminé finalement, en fait, notre usine, voilà, pardon, notre usine pour récupérer automatiquement, pour farmer automatiquement les bambous. Donc là, il ne manque plus que du sable pour faire du verre. Et je suis en train de... Pardon ? Alors, voilà, je me demandais en fait c'était quoi l'enchantement siphon. Bah, je crois que j'ai compris. Voilà, va bien te faire foutre. Tu sers à rien. Voilà, c'est vraiment, vraiment de la merde. Voilà, ça me fait plaisir. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Vraiment, ça va nickel. 12e épisode de M'Colo l'Aventurier. Et vous savez quoi? Je suis tellement content. Ça fait 12 épisodes que je kiffe et que je suis même pas mort. Voilà, j'ai frôlé la mort de peu à plusieurs moments et je ne suis pas mort. Alors, dans le prochain épisode, vous savez quoi? Parce que dans le prochain épisode, ce sera l'épisode 13. L'épisode de la chance. Donc, très sincèrement, ça tomberait bien qu'on se fasse un raid, puisque du coup je me suis fait attaquer, je le rappelle, eh bien par des pillagers, des pilleurs. Du coup là maintenant j'ai l'effet bad omen, mauvais présage en français, pour les francophones pour souche. donc voilà, à tout moment ça va partir en raid. Donc voilà, je pense que j'ai assez de sable, j'en prends encore un tout petit peu et on sera vraiment pas mal. On va se faire des vitres pour du coup la machine à bambou et ça fait plaisir. Et les amis, aujourd'hui je vous l'annonce parce que à chaque fois je dis qu'on va le faire et je le fais pas, on va découvrir, on va goûter les potions qu'on a récupérées. Alors c'est pas vraiment des potions je pense. Oh, écoutez-moi ce son, c'est d'une beauté ambient sound, j'adore. Et là-bas c'est joli, il faudra qu'on aille voir aussi hein. C'est des champignons. On dirait des champignons. Mais oui, c'est des champignons bleus en fait. Mais oui, c'est des nouveaux champignons. Ok, très bien. Enfin, des nouveaux, ça vient des modes, hein, genre Biomes of Plenty, hein, bien sûr. D'ailleurs, hé les gars, j'ai découvert un truc. Advancement. Regardez, Biomes of Plenty. Voilà. Il y a au moins 69 biomes dans le biome. Enfin, dans le mode Biomes of Plenty. Donc, tous ceux qui disaient oui, installe-toi dans chaque biome. Vous avez cru ou quoi? Il y a 70 biomes qui ont été rajoutés, mon pote. Laisse béton, quoi. Alors, hop, on va faire chauffer, bien évidemment, le sable. D'ailleurs, du coup, c'est quoi, ça? Chute. Hop. Eh ben, voilà. Eh ben, c'est génial, ça sert à rien. Du coup, on va goûter. En attendant, les amis, j'ai peur de... Donc, la Velocitas, an energetic beverage, donc du Red Bull, comme je l'ai appelé dans l'épisode 2. Et normalement on a aussi, voilà ici, Nectar Floral Extract. Alors à moins qu'on puisse en faire quelque chose, j'ai pas regardé, non, on peut rien en faire. Donc les amis, on va boire. On va boire, on va commencer, mais en vrai je pense très sincèrement que ça va me donner du speed. En vrai, hein. Et ça, genre je sais pas, ça va me... Je suis sûr que ça me régène de la santé en vrai. Je sais pas, dans ma tête, donc c'est débile. Est-ce que je goûte ou pas? Vas-y, au moins je vais goûter ça pour voir ce qui se passe. Ok, vous êtes prêts? Si je meurs, par contre, je suis dégoûté. Allez, c'est parti. Ah yes. Ah oui, speed. Ah ouais, d'accord. Alors ça dure pas longtemps, de toute façon, donc aucun regret. J'ai aucun regret. Si ça avait duré 3 minutes, j'aurais été un petit peu dégoûté. Mais là, ça dure quoi, 20 secondes? Donc franchement, ok. Donc c'est bien ce que je dis. Eh, info sûre, par contre, on a des fioles. Hein. Ça, c'est cool. Info sûre, je l'avais dit. Hein. J'avais dit que ça donnait speed. Hein. Ah là, de toute évidence, j'ai eu bien raison. Eh d'ailleurs, attendez, petite question. Si je bois du lait, est-ce que ça m'enlève Bad Omen? C'est une question que je me suis jamais posée et je me la pose en direct. Alors, j'ai pas envie de le faire. Mais voilà, est-ce que si je le fais, ça fonctionne? Puisque ça enlève les effets, normalement, le lait. Alors écoutez, on va goûter Nectar Floral Extract. What? Oh non, là par contre j'ai le seum. Ah ouais. Là par contre j'ai le seum de l'avoir bu. C'est énorme. C'est incroyable. Mais au moins on le sait, tu vois. Et ça pour le coup je ne vais pas l'oublier. Alors là les potes, on va se retrouver des donjons. On va se retrouver cette potion. Et mon pote, je peux te dire qu'on va tous les démonter un par un avec cette potion. Hein. Oh, mais vraiment, même pour le Nether en fait. Juste pour le Nether. Alors ça dure pas longtemps non plus, hein, mais... Laisse tomber comment c'est puissant si t'es dans le mal. Ah, hein. Oh, c'est génial, ok. Du coup,
Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme bloc joli là pour l'usine? En vrai, parce que juste de la cobble, j'aime pas. En vrai, les murs, j'aimerais bien les garder dans le même délire qu'ici. J'aime beaucoup. Donc c'est de la... Mais il me semble qu'on fait comme ça. Ouais, c'est ça. La cobblestone brick. Donc je pense qu'on va partir sur un délire comme ça. Tous les murs de la cave. Mais donc du coup, alors on va faire ça. Alors, ce qu'on va faire... Ah merde, quel connard. Oh, je suis un bouffon. Mince. Oh merde. C'est bon, tout va bien. Pas de panique. Alors attendez, c'est pas grave. Voilà, vous n'avez rien vu. Pareil ici. Voilà. Bah ouais, mais en plus on voit même pas ici quoi. Si. Mais oui, on voit même pas derrière en fait. Pourquoi j'ai fait ça? Je suis totalement bête. Alors je veux juste fermer par sécurité. Donc. Ah bah si, on voit là, j'ai pas le choix en fait. Ça fait vraiment couillon. Donc on va quand même casser. On va casser, je vais reposer la redstone, c'est pas grave. Hop, 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 hop. Ah, il faut quand même que ce soit un peu mignon quoi. Voilà. Je ressortirai par là. Hop. Et... Ah. J'ai du mal hein. Voilà, excusez-moi, là je parle pas trop, je suis très 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 concentré, vous l'aurez remarqué hein. Ah, ça demande une réflexion incroyable. Ok, c'est bon, voilà. Travail terminé. Maintenant, on va pouvoir attaquer les choses sérieuses. Ah, c'est quand même bien plus mignon. Voilà. Voilà. Là, faut genre juste faire pareil. Je réfléchis à pas faire de conneries, voilà. Là tout est bon et là il y aura juste à mettre de la glace devant quoi. Enfin là aussi c'est j'aime pas. Donc on va tout de suite réparer. On va tout de suite faire ça joli, vous allez voir, enfin joli. Eh, ça se trouve vous trouvez ça moche hein les gars. N'hésitez pas à me dire hein, mais moi j'aime beaucoup ces blocs là. C'est de la cobble mais retouchée et donc ça rajoute vraiment beaucoup de charme. On rajoutera des lanternes et tout, ça va être très mignon. Voilà. Je m'occupe tout de suite de cette partie puisque ce sera derrière la vitre et donc je pourrai plus y accéder. Là aussi il faut que je remette de la dirt. Et bah ici je vais reboucher en fait. Ouais, j'ai fait tout ça pour rien en fait. Voilà, ah bah oui c'est bien, et c'est joli quand même hein. Voilà, et tout le reste je pourrais retoucher moi-même. Parce que du coup la vitre sera juste devant. Si je dis pas de bêtises. Attends, il faut que je monte aussi jusque là. Ok. Ouais, il y a juste le toit en vrai qu'il faudrait peut-être changer. Vas-y. Bah vas-y, faut le faire maintenant les gars. Faut le faire maintenant de toute façon, sinon on pourra jamais le faire. Et comme ça va me permettre de prendre la glace. Comment on fait ça du coup? J'ai oublié. Polish marble. Alors, pour ceux qui se demandaient comment je faisais les vertical slabs, vous voyez ce que je disais, c'est juste dans l'autre sens en fait. Voilà. Avec de la polish marble. Ouais, c'est ça, ok. Très bien, très bien. Par contre, je veux bien que tu te remettes. Hop. Du coup, la marble, c'est ici, hein. Marble. J'en ai encore, d'ailleurs. Ah, mais j'ai encore du... Non, pas du tout. Attends, dégage. Voilà. Attendez, les gars, je suis un petit peu perdu. Voilà. Et ensuite... Voilà. Et j'ai trop de blocs. Attends, c'est pas grave. Je vais mettre ça là. Bah non, j'en ai besoin. Ah, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi jeter. Vas-y, je jette ça. Je suis désolé, je suis en train de pourrir mon coffre. Je rangerai. Voilà, j'ai assez de glace, hein, très clairement. Boum, boum, boum. Voilà, allez, c'est bon. On va pouvoir terminer. Enfin, on va pouvoir, voilà, rendre le truc fonctionnel. Ah bah d'ailleurs, on va pas se casser la tête. On va juste faire ça. Ça, c'est pratique, ça, les slabs. Voilà, comme ça, on casse pas la terre. Hop. Voilà, et comme ça, plus de stress, parce que la vitre sera juste là, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que la cobble, c'est dérangeant en bas? Non, j'aime bien. J'aime beaucoup le fait que ce soit de la cobble ici. Mais le sol là-haut... Attendez, bougez pas, j'ai envie de me baser. Ouais, le sol, c'est aussi comme le toit. Donc, ce qu'on va faire... Voilà. Mince.
On va faire ça comme ceci. Je peux ouvrir le coffre, on est d'accord, ouais, c'est nickel. Bah juste, attendez, avant de fermer entièrement, on va planter le bambou. Voilà, là, tout est planté normalement. Et là, j'ai plus qu'à faire tourner le minecart. Et voilà, c'est réglé. Et là, les gars, on verra très bien que ça va fonctionner. J'ai récupéré de la cobble, tiens. Ah, c'est vraiment cool. C'est vraiment très très cool, je suis content. Je suis content d'avoir réussi ça, quoi. Ça m'embête un peu. Allô? Voilà. Pareil, là, je vais fermer. Voilà, c'est bon. Désolé de pas trop parler. Alors, le problème, c'est que j'ai fait le truc tellement haut. C'est compliqué. Ah, et avec la slab, je peux pas... Ah si, je peux. Ah, il faut que ça aille tout en haut parce que vraiment, il faut pas perdre le truc, quoi. Attendez. De toute façon, vous inquiétez pas, tout le reste de la cave, le plafond sera plus bas. Hop, hop, hop. Voilà, là c'est bon, ça pourra pas sortir. Nickel. Et ça commence à pousser, vous allez voir. Je pense qu'on va voir en direct en vrai. Hein. Ça va marcher en direct. Hein. Et c'est très mignon. Je trouve que c'est très joli ce que j'ai fait. Et franchement, dites-moi en commentaire. Moi, je suis content. Voilà. Je vous le dis, je suis content. J'ai envie de voir en direct là. J'ai envie de voir en direct, ça va le faire en plus. Donc. Et donc là, les gars. Voilà, on va se faire un petit sol. Hop. Ah, c'est pas assez lumineux, hein. Ça me fait peur. Bon, voyons voir. Allez, en direct, les gars, je veux que ça le fasse. On va y arriver. J'espère qu'il n'y a pas besoin de trop de lumière hein, pour que ça pousse, mais je pense pas. Ah, il y a des blocs qui bug, mais ils vont dépop. Vous inquiétez pas. Bon, écoutez les gars, en attendant, on va juste continuer un petit peu ce que j'étais en train de faire. Là, le sol, on va le mettre à la hauteur normale quand même. Voilà, ça va être mignon les gars. Hop. Allez mon pote, fais-nous une démonstration. Et au pire, s'il faut une torche à l'intérieur, bah j'en mettrai une. Hein. Mais oui, mais on peut mettre une lanterne dedans s'il faut. On peut les mettre au plafond. Ah bah non, on peut pas. C'est fort embêtant. Oh, j'ai une idée. J'ai une idée. Trop fort. Voilà. Et là. Comme ça, ça va tout éclairer. Hop. Et ben voilà. Est-ce que c'est pas mignon? Et c'est symétrique et tout. Jusqu'à c'est ça là. Oh là là les gars, regardez comme c'est mignon. Franchement, voilà, je suis content. Ok, bon, bref, il veut pas me faire la démonstration maintenant, mais vous inquiétez pas, ça fonctionne. Normalement, je dis bien normalement. Bon, écoutez, on va voir si on n'entend pas le minecart d'en haut. Ouais, c'était une très bonne idée, voyez. On l'entend pas. Et ça. C'est vraiment cool. Donc on va dormir tranquillement et on a fini là-dessus. Ça c'est vraiment cool. On l'entend vraiment pas. Même dans la salle des coffres on n'entend pas. Donc c'est vraiment vraiment génial. J'aimerais trop s'il te plaît là que ça éclate là devant nos yeux. Devant nos yeux ébahis. Je suis tellement content, tellement fier de moi. Soyez fiers de vous les gars. Alors on va juste se refaire ceci. Ah mais j'en avais encore. J'avais pas vu. Tu vois parce que là oh, c'est trop mignon ce qu'on est en train de faire. En plus du coup on a notre table d'enchant level 30. On va pouvoir faire des choses très 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 sympas pour le coup. Et on a plus de diamants. Il nous reste plus qu'un diamant donc faudra encore que je mine en off du coup. Je pense que j'irai miner en off. Comme ce que j'avais fait du coup C'est relou mais il faut en vrai hein. Au moins voilà je vous casse pas la tête avec ça. Et en vrai bah là moi je serais grave chaud. Donc bon dans le prochain épisode on se fera un raid. Je vous le dis c'est clair on fait un raid dans le prochain épisode d'accord. Mais j'aimerais bien trouver un autre donjon comme celui qu'on a trouvé dans l'épisode 1. Donc on ira se rebalader dans un futur épisode. Là le sol je le mettrai en bois. Voilà je vous le dis j'ai envie de mettre du sol en bois par ici. Pour que ça fasse vraiment genre enchanté tu vois. Ça me plairait bien.
Vénère, ça va être cosy. Franchement, c'est déjà cosy entre nous. Vous pouvez le dire. Soyez honnête avec vous-même. Voilà. Bon, du coup, là, j'ai mis des escaliers en cobble. Je changerai, je pense que je les ferai en marbre. On verra. Oh là là, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Oh, regardez! Oh, regardez, ça marche pas! Oh, c'est incroyable! Mais je sais pourquoi, mais parce que j'ai pas mis les blocs derrière! Parce que comme j'ai tout retapé. Eh oui! Parce qu'il n'y a pas les deux blocs derrière. Mais maintenant, ça va être bon, regardez. Hop, hop! Voilà, là, normalement, ça devrait. Bah ouais, mais du coup. Bah oui, mais c'est normal, mais parce que maintenant, ça y est, c'est trop tard. Ah, vous inquiétez pas, je sais ce qui s'est passé. Ça m'embête un peu. Ah, je peux passer par là, tranquille. Regardez, il faut juste réactualiser de nouveau. Voilà, tu vois. Et si tu réactualises, ça remarche. Ah, attends, hop. Voilà. Parce que comme il n'y avait pas les blocs, mais là, la prochaine, ce sera bon. Normalement, tous les blocs sont derrière. Je vais juste refermer. Je pourrais me faire une porte, en vrai. Je vais juste checker. Est-ce que ça va pousser, ça, au moins? Oui, ça va repousser. Je vais juste checker qu'il y a tous les blocs derrière. Ouais, voilà, tu vois, il y a tous les blocs derrière. Il y en avait juste deux où il n'y avait pas, et comme par hasard, c'était celui qui poussait, quoi. Ok. C'est tout bon. Heureusement qu'on a vérifié, quand même. Tu vois, j'avais raison. Donc voilà, là, les amis, dès que il y en a un qui pousse, ce sera bon. Et je vous propose que je fasse une coupure pour attendre le moment où ça va pousser. Allez, on patiente. À tout de suite. Ah, voilà. Voilà, les amis. Hop. Oh putain, les gars, je vous jure, ça fait 4 minutes que j'attends. C'était les 4 minutes les plus longues de ma vie. Bref, une fois que la machine est lancée, ça fonctionne. C'était très long. Voilà, heureusement, je vous ai fait une coupure. Oh, c'était infâme. Bon, bah voilà. Ça fonctionne, c'est l'essentiel. Je suis très 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 content. J'ai vraiment du tri à faire dans les coffres. En off, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser un petit peu à embellir eh bien cette cave, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas assez de lumière et c'est peut-être pour ça que ça prend du temps. Dans tous les cas, voilà, j'essaierai un petit peu de tout améliorer. Vous verrez ça dans le prochain épisode. Et donc, dans le prochain épisode, je le rappelle, nous allons nous faire le raid by SFR, bien évidemment. Alors, je pense qu'on le fera dans ce village là-bas. Voilà, et pas dans le premier village parce que ça me plaît pas trop. Celui-là, là-bas, à côté, j'aime bien. Donc je pense que voilà, c'est un peu le village d'à côté. Et c'est marrant, ça me rappelle vraiment la M-Coccinelle parce que c'était le but du jeu, c'était de sauver un village. Donc ça tombe vraiment bien. Eh, je savais pas qu'on pouvait marcher dessus. Regardez, c'est génial. On peut faire un passage secret comme ça et tout, genre entre deux slabs, tout ça. Bon, bref, incroyable. Eh, trop d'idées. Incroyable. Allez, n'oubliez pas le pouce bleu si cette vidéo vous a plu, si cet épisode vous a plu et si cette série vous plaît toujours autant. L'épisode prochain va être incroyable. J'espère ne pas trop qu'on se fasse démonter. Et on se retrouve donc très vite pour le prochain épisode et pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo, je vous fais des bisous. Ciao, ciao tout le monde.